Coucou mes petits chocobos, c'est dimanche, je suis en avance. Et pour une fois, je suis en avance d'une heure. Et... Comment ça va? Désolée, j'avais trop envie de vous retrouver. J'étais prête, j'ai fait aller. Je viens. Mais la semaine prochaine, je pense que je mettrai 5 heures tous les jours. On verra, mais je pense. Bon, ça va un peu piquer la semaine prochaine, mais on va s'habituer petit à petit. D'ailleurs, un grand grand merci d'avance à ceux qui seront là au moins en ninja à 5 h. Je sais que certains, des fois, avant d'aller se coucher, ils mettent le stream. Comme Nemesis, par exemple. D'ailleurs, on va faire les petits coucou à tous. Coucou Elios, coucou Aslan, coucou Ajamik, coucou Enda, coucou Flo. Coucou Nemesis, coucou Kiki, coucou Sankukai, coucou Zek. Comment que ça va? Ouais, tranquillou avec le petit café. Hein. Et ouais, ce jeu il est tout doux. De toute façon, là ça va être quasiment journée toute douce. Il n'y a que sur Skull où ça sera un peu moins doux. Parce qu'à la base ça devait être hard pour la douceur, mais. Voilà, je voulais faire plus de... J'ai annulé un stream cette semaine de Skull et... J'ai envie de Skull, voilà. Tout simplement. Hier, on a découvert Winter Survival, d'ailleurs. Je pense pas en faire la semaine prochaine. Je pense attendre qu'il soit plus fini. Le jeu est vraiment cool, hein. Il y a vraiment les bases top top. Mais c'est le début de l'early. Alors, les early, t'as des early qui sont plutôt bien... Où tu t'as vraiment déjà toute une histoire de prête, un peu comme Nightingale. Et en a, faut attendre un petit peu. Parce que bah les early, en fait, le principe des early, c'est que ils ont plus assez de sous. Ils ont pas assez de sous pour faire ce qu'ils veulent dans le jeu. Donc du coup, en fait, c'est que vous pouvez acheter le jeu pour les soutenir et y jouer avant, du coup, en échange. Bon, souvent, les gens achètent plus pour soutenir. Enfin, théoriquement, c'est plus pour soutenir, mais bon, il y en a qui n'ont pas compris les early. Et du coup, il y en a, c'est à la fin de leur la création de leur jeu où il leur manque un petit peu. Et il y en a, ça va être dès le début de la création du jeu. Donc c'est pour ça que vous avez des early plus ou moins terminés en fait. C'est pas qu'ils travaillent moins bien ou quoi qu'une autre entreprise, c'est juste question de budget, tout simplement. Et c'est pour ça aussi que les early, c'est toujours risqué de les prendre, dans le sens où c'est possible que le jeu ne sorte jamais. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive parce que bah, y a pas eu assez de gens qui ont acheté l'early et du coup ils n'avaient pas assez de financement. Voilà. En gros, c'est ça les early, c'est que c'est vous qui financez en partie le jeu. Donc faut juste en être conscient si jamais. Moi, c'est rare. Hein. Franchement, j'en ai acheté un paquet d'early. Bon, celle-là, je l'ai pas, je l'ai eu par les éditeurs. Hein. Mais dans celle que j'ai acheté moi de mon côté, c'est très rare. Il n'y en a qu'une seule, je crois, ou deux qui. Jamais vu le jour ou qu'on changeait totalement de truc. Coucou patate, comment ça va? Coucou le skiwalker, j'adore le pseudo. Coucou les légendes. Mais wali walou. Du coup ce matin, voilà, petite douceur au milieu des fleurs. J'ai bien noté, mais il est vraiment cool. Hein. Il est vraiment vraiment cool. Ouais, que je mette une petite revue parce que même si j'ai pas encore fini vraiment vraiment cool. Du coup, petite douceur, ça va tranquillou là, au milieu des fleurs. C'est quoi ça? Ah non, c'est juste de la peinture. Petit réveil douceur. Alors, on avait quoi comme mission? On avait... Ah oui, j'avais un bug au niveau des quêtes. J'espère que ça va se débloquer. On va voir tout de suite. Petit boine rouge foncé. C'est bon. En fait, j'avais eu un petit bug, mais je pense qu'il fallait juste relancer le jeu. C'est que je prenais des quêtes et elle s'affichait pas dedans. En fait, je prenais des quêtes dans le vide. Bon, ça va, c'était des secondaires, donc c'est pas très grave.
c'est qui repop tout le temps. Alors du coup, on a le pont à faire. Alors la remise, on l'a passée en noir. Ça, on a la barrière, on les a passées. Donc ça, c'est fait. On va faire ça. Et nous, ce qu'il faut, c'est ça. Donc il faut qu'on fasse 7000 balles. Donc ça, demain, ça sera en vert. Ça va être beaucoup plus joli. La remise, elle est passée en noir. C'est beaucoup plus joli. Et on a passé ça en brique. Il y en a d'autres qui se sont pris le jeu entre-temps. Coquelicot jaune, tulipe rouge. On va déjà faire ça. Coquelicot jaune et tulipe rouge. Alors, attendez. Câble de souris qui était bloqué, sûrement à cause de Luna. Tulipe rouge. Coquelicot jaune. Il y a pas mal d'orange, mais pas beaucoup de jaune. On avait découvert qu'au final, quand on avait plus de place, ça se mettait, ça achetait pas les graines. Mais ça les mettait dans le meuble là-bas. Mais par contre, j'ai quand même une graine qui m'a été niquée. Donc je vais quand même faire attention. Parce qu'il y avait deux plantes et... Il y a une plante que j'ai pas. Donc c'est bouqué, les coquelicots c'est bouqué aussi ou pas? Non, c'est bouqué. Les tulipes c'est bouqué. Ça pousse. Ça pousse, pousse. Alors du coup, les thématiques couleurs. Bon, ici il y a des couleurs qui vont bouger. Parce que dès qu'il y aura le décombre enlevé, on va pouvoir mettre là-bas des plantes. Donc là-bas, ça sera rose et rouge. Avec un peu de blanc, je pense. Le blanc, ça passe un peu avec tout, ça fait un petit peu un plus. Ici, je voudrais rester dans les tons orangés, voilà, jaune. Bon, excepté les coquelicots. Je veux les laisser ensemble. Et ici, je voulais faire noir et bleu. Et un peu blanc. Noir, bleu, blanc. Alors tournesol, c'est tournesol blanc, ils sont un petit peu jaunes quand même. Et voilà, et je voulais mettre plein d'abeilles aussi, mais bon ça va sortir petit à petit. Mais c'est pas mal, plus on a les collections de statues. Une petite statuette. Ok. Alors. C'est bon. S'il n'y a pas des traits violets. Des traits verts, ça va. Traits verts, ça veut dire que c'est la même couleur que la plante. La violette, c'est une nouvelle couleur. Donc je fais gaffe avec ça. C'est ça qui me fait... Je fais attention. Coucou Anakiero, comment ça va? Où le chat? Maintenant on a deux chats. On a toujours ce chat là. Et on a ce chat là. Derrière les poissons. Donc on est pas mal. Ah oui, notre petit escargot. C'est vrai qu'on a acheté la collection d'été aussi.
Ah, t'as peut-être mangé un truc qui est pas passé. Bourrage. Des fois, faut s'hydrater, des fois, ça passe avec ça, mais bon, pas toujours, non. Faire combien de bouquets? 2 ou 3? Je les ai posés là en attendant parce que j'adore la pousse. J'aime pas la couleur mais j'adore la pousse. Quand ça pousse comme ça et que ça s'ouvre, c'est trop classe. Ça c'est bon. Chenex, coucou les arrivants. Bim bim bim. Alors les pivoines rouges. Si j'en ai assez. Et bouquet en plus. Alors j'ai replante. J'aime pas les pivoines hein, alors. Prendre les trois. Non, je sais pas si on peut prendre. Ah, c'est le truc qu'on veut mettre ailleurs, mais bon. Ah, bonne partie. On n'a pas fait l'arrosage encore. Skull. Ah il a un bon prix sur Instant. D'ailleurs merci à ceux qui pensent à mon lien à chaque fois. Sinon maintenant je suis partenaire, j'ai un code créateur Ubisoft hein, si jamais vous faites vos achats dessus. Pensez à moi. C'est simple, c'est le monde de Shaki le code, donc ça va. Pas trop dur à retenir. Xexa a testé, c'est bon ça, il marche bien. Elle a testé. Ça, on peut continuer après, même quand ça a sonné. Heureusement que ça sonne. On serait dans la merde. De garder une certaine hauteur, pas de dépasser. Vraiment haut. Hein.
On va avoir pas mal de plantes à les vendre. Voilà, ça va les remettre un peu à un certain niveau. Alors, il nous faut des coquelicots jaunes et des pivoines rouges. Le reste, on peut le mettre en vente. Je peux pas planter de patates. Je crois pas qu'il y ait des légumes. Après, on verra peut-être par la suite. Je dirai quand j'aurai débloqué la serre. On sait jamais. Merde. IP. Tout ça, la serre, je sais qu'il y en aura une parce qu'on la voit d'ici. Hein. Ça au moins. Ça se voit direct. J'avoue que j'essaie toujours de découvrir à faire moi-même, donc. C'est vrai que du coup, il y a des trucs qu'on sait qu'à la fin. Je peux pas vous dire avant. Ça c'est bon, c'est bon. Alors les graines ça rapporte pas mal, hein. On l'a vu la dernière fois. Mais bon, faut quand même en vendre un certain nombre pour que ça rapporte donc. J'attends toujours d'avoir au moins des stocks de vin. Des récoltes, récolter 1000 graines. Je sais que c'est, mais un moment avant de se faire. Patate toi-même, bah ouais, patate ouf. Des clématites roses. J'ai pas ça. Alors. Oh, hello, dearie. Normalement, tout ça, j'ai la première page. Clématite. Mais j'ai pas. Jasmin. On a. Patsia, j'ai pas. Et Amaryllis, je crois pas. Après, il y a les trucs de l'été là à acheter. En fait, tout ce qui est dans cette couleur, c'est que l'été. Et on devait acheter le. Le nain. On va acheter l'étang pour bateau. Et après, il y a la. Il y avait la chaise avec la petite table que je voulais. Ah putain. Voilà. So long. Et ma petite rose pâle. Qu'on n'avait pas. Pas de sien. Et Amaryllis rouge. Alors, allons lire ça. Amaryllis, une magnifique plante connue pour ses grandes fleurs. En forme de trompette et ses couleurs vives, l'amaryllis est une plante robuste qui peut être cultivée dans de nombreux climats tempérés. Ses tiges sont creuses, vous pouvez donc les suspendre la tête en bas et remplir les tiges d'eau. La plante durera ainsi plus de 3 semaines et continuera à fleurir.
Clematis. Un autre membre de la famille des renoncules, cette plante grimpante est parfois aussi appelée barbe de vieillard. En raison de ses têtes de graines duveteuses, ses fleurs peuvent être solitaires ou pousser en grappes importantes. Un vieux dicton sur la croissance du clématite dit « La première année, elle dorme, la deuxième année, elle rampe, la troisième année, elle bondisse. » Ça, on avait déjà lu. Dicentra, on avait déjà lu. Fatsia, originaire du Japon et du sud de la Corée, le fatsia est parfois appelé « plante de ricin », ce qui est étrange car il n'y a aucune relation réelle avec l'huile de ricin. Son nom est une approximation romanisée du mot japonais 8 en référence aux 8 lobes de ses feuilles. Le lierre, je comprends pas. J'arrive pas à faire grimper. Y'a quelqu'un qui a réussi à faire grimper le lierre ? Et un succès de débloquer tout le livre. En fait, débloquer tout le livre, vous voyez, c'est les points d'interrogation. Découvrir toutes les couleurs d'une plante. C'est chaud, hein. Hortensia, j'en ai pas. Faut que j'achète une hortensia. Hypomoea. Les hypomées grimpantes peuvent monter si haut qu'il est important de s'assurer qu'il y a une clôture ou un treillis pour soutenir leur vigne. Leurs fleurs s'ouvrent généralement le matin puis se referment l'après-midi. Malgré leur nom, certaines gloires du matin, grimpantes sont en réalité des fleurs qui éclosent la nuit. Iris, on a tout. Lys non plus, j'ai pas. Donc l'écho, j'ai toutes les couleurs. Bon, c'est ma fleur préférée, ça aurait été un peu bizarre. Bon, bah là, je les ai replantées là. En rose, il y en a encore pas mal. Hein. Il y a pas mal de couleurs. Le lilas, j'en ai pas mis non plus. C'est vraiment bizarre parce que je croyais avoir acheté toutes les graines. Bon, on va déjà planter ça. Alors, attends. Bon, ça, j'en ai qu'une, alors tiens, c'est pas grave. On a quoi? Ça c'est pour la quête. Hématite rose pâle. Ok. Ça c'est hypomée violet. Ça c'est les trucs qu'il faut que j'enlève mais j'ai pas de place. Amaryllis. Et fatsia vert foncé. Ok. C'est quoi les fleurs qui me manquaient? On va aller voir quand même à la boutique. Alors, qu'est-ce qui nous manquait de mes petits chocobos qu'on a loupé? Un Pokémon Amaryllis. Il y a vraiment un Pokémon qui s'appelle Amaryllis? Je crois pas. Hein. Ah, si, c'est pas l'insecte là? Hortensia. Hortensia lisse. Hortensia lisse. Lila. Hortensia lisse et lila. Hortensia lisse et lila. Faut que je retienne. J'ai une mauvaise mémoire. Hortensia lisse et lila. Hortensia lisse et lila. Oh, don't mind Letha. She's in no mood today. Hortensia là. Lys et lila. Lys. Lys. Et lila. Normalement, ça devrait être bon. J'étais persuadé de les avoir achetés ceux-là, je sais pas pourquoi. Hortensia, c'est joli, hein. tu sais pas écrire Lys et lila, mais. Encore lila, ça va, t'es pas loin. Mais merci. Merci, Lios. En même temps, c'est dire Lys. Parce que là, en fait, là, t'as écrit Lys. Mais c'est vrai que Lys, c'est L-Y-S. C'est assez particulier, tu vois, comme. Lys rouge.
On va le mettre là. Hortensia, c'est assez gros, hein. Mais on peut le mettre de l'autre côté. Comme c'est blanc. Ah, ça va être beau là-dedans. Ensuite, on a quoi? Du bleu pâle. Ah ouais, parfait. Dans les couleurs ici. Posséder une fleur de chaque espèce simultanément dans le jardin. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors. On les graines du coup qu'on est là. Bon, moi j'ai toutes les espèces de fleurs du jeu. Juste pareil, il va me manquer les couleurs quoi. Voilà. J'ai un slan un niveau de plus. Ta grimpouille. Alors j'ai les. Des petites choses à mettre. Alors il y avait le. La petite mare avec le petit bateau qui peut être sympa. Alors je pensais la mettre ici. Bah, après on peut toujours la bouger mais. Comme ça. Ok. Après on a le gnome. Et après on a la chaise et la table. C'est pas trop où la mettre la chaise et la table. Après c'est rose. Après on peut la changer de couleur aussi. On peut tout changer de couleur normalement. Enfin je pense que ces trucs là aussi. Ça a l'air rose. Ah non c'est pas rose. Ça fait un peu serré hein, quand même. On aurait une autre chaise mais... Ça fait un petit coin... Alors en fait vous avez cet outil qui est un pinceau. Et en fait ça permet de changer les couleurs des choses. Si je me foire, je me foire pas. Vous voyez ? Après, voilà, il n'y a pas toujours 10 000 couleurs, mais. Ah, on peut changer aussi là-dessus. J'avais pas. De base est mieux. C'est des tulipes qu'il y a dessus. Ah ouais, c'est des tulipes. Regardez, c'est des tulipes. C'est stylé en vrai. Hein. On peut, ouais, on peut changer pas mal de choses. Bon, faut l'acheter celui-là, hein, mais il était pas très cher. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait les coquelicots jaunes à faire, parce que du coup, on fait pas les commandes. Hein. Arrêtez de pousser aussi haut les coquelicots. Les tulipes c'était fait. Donc ça pousse comme t'as envie, c'est un peu chaud. Hein. Un peu chaud. Ouais, il me manque un seul jaune là. Il manque une seule, un seul coquelicot jaune. Un seul. Waouh. Voilà. Alors, on va aller vendre les autres coquelicots. Comme mon avis, notre petit jardin, tac, hein. Il y a juste un petit coup où j'ai mis un peu un fourbi, mais quand je vais pouvoir enlever les décombres, on va pouvoir les déplacer.
Ce petit fourbi là, je voudrais le changer de place. On a 4000, ça coûte combien? D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais on a le nouveau, on a le nouveau pont. C'est plus joli. Alors, il faut savoir qu'on est en été hein, aussi, je rappelle. On commence au printemps. Les chats. Miaou. T'as joué à quoi de beau pour se réveiller les chocobos? Ah, bon petit déj à tous. Hein. C'est joli. On reste les pivoines qui sont là. Après, sinon, faut faire des sous. Pour bah, décombrer le truc. Enlever les décombres. Désencombrer. Combien? 7000. Oh là, elle avait beaucoup de choses. Alors, elle avait un bouquet de tournesol jaune, de roses rouges et de coquelicots rouges. Alors, déjà les roses rouges. Ils poussent en hauteur maintenant. Je sais pas si c'est lié à un patch, mais avant ils poussaient en boule. C'est bizarre. Après, je préfère en hauteur, je trouve ça plus joli, mais ceux qui préfèrent en boule, les pauvres. Coquelicots rouges. Les plus jolis, bien évidemment. C'est vrai que les coquelicots jaunes sont sympathiques. Petite douceur de jardinage. Étonné qu'il n'y ait pas plus de chocobos contre le jeu. Vous qui aimez les jeux de la comme ça là, en général. À moins que vous préférez regarder à jouer. On est seul jaune. Ça c'est les pas les jaunes et ça c'est un jaune. Pour les jeux, ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, il y a les clématites. J'ai mis où les clématites? C'était ça, non? Et puis. Faut les recouper un peu pour que ça pousse parce que des fois ça peut bugger un peu. Faut pas hésiter. On a déjà eu le coup en fait.
Ah ouais, les coquelicots rouges ils poussent bien. Ça fait bizarre de plus avoir de rouge dans les trucs. Il me faut un bouquet de roses rouges. Mais là, les roses rouges, je sais pas pourquoi elles veulent pas pousser là. Si je fais trop de bouquets, c'est pas grave parce que. Vous voyez, ça a poussé. Elle poussait pas, j'ai recoupé, bizarrement, bim, des fleurs. Je vous disais des fois. Des fois, c'est parce que la saison fait que. Mais... faire c'est au moins aller dégager les coquelicots qui sont pas rouges. Ça pousse vite les coquelicots. Ça pousse vite. Ah merde, j'ai coupé entièrement. On donne qu'une de fleurs, ça. C'est bizarre. Hein. Avec les tiges, on aurait cru que ça en donnait plein, mais. Mais non. Mais pas du tout. Coucou Pixie. Tiens, jardin. C'est pareil pour faire les bouquets, tu vois les coquelicots ça demande 8 fleurs, les roses ça en demande 30 ou je sais plus ou 50, enfin ça dépend des... On a qui demandent beaucoup plus de fleurs alors... Il y a des bouquets plus faciles que d'autres à faire. Je vais regarder, mais je sais pas si. Hein. Oh, won't you come in, dearie? Sac de terre. Lovely to see you. Regardez pour les patates. Pardon. John Carr. Merci Julius. Vraiment des... Ouh. Quoi ça? Délice. Pas ça qui me fout. Amaryllis, c'est joli. C'est pas ça qu'il me faut. Ah, de toute façon, c'est des roses, les autres. On va quand même mettre ça là-dedans. On va la pousser, ça va leur donner un petit coup. Ça, faut que tu repousses. Sinon, on a posé ça, ça. Ouais, ça devait être celui-là. On va faire un petit coup d'arrosage. On n'a pas fait. On va refaire un petit coup de chope graine. Après, chope la banane, chope les graines. Quoi, Paul? Chope
la banane. Ah, j'ai eu Fatsia. Pas exprès. Waouh, la grenouille, on l'a bien entendu. Hein. Oh, regardez. Ça, c'est une nouvelle couleur. Nélibor jaune. Et une couleur de plus. Ouais, il faut faire gaffe de voir si c'est du violet. Hein. Si vous voyez un truc qui brille violet, vous me dites, moi c'est du vert. Surtout le violet. Parce que bah il y en a une comme ça que j'ai perdu de graines. Donc du coup, un peu la misère. Ah, les pivoines, elles ont poussé. Et vraiment, je trouve ça vraiment pas joli là, les pivoines. J'ai étonné que beaucoup de gens aiment ça. Chope la banane. Je peux pas faire le bouquet. Oh, je me suis mis la chanson Chope la banane dans la tête. Comment ça va, Apple? La fille, elle s'est mis la chanson toute seule dans la tête, comme une grande. Chope la banane. La banane. Pas bien, bien. Désolé, j'ai commencé plus tôt le stream. J'étais levé tôt au final et. Après, à partir de la semaine prochaine, je commencerai à 5h. Si tout se passe bien en avril, 4h. J'espère que il y aura du monde en soutien pour m'aider à faire la transition. Si jamais vous connaissez des gens qui cherchent à des streams le matin, enfin la nuit. Une sur vous. Lila. Quoi ? Hortensia. La banane. Non mais parce qu'en plus hier je lui ai dit j'ai pas assez plus tard aujourd'hui. Et ce matin au final je pétais le feu quoi. Luna elle courait partout du coup. J'étais à fond ce matin du coup Luna aussi. J'ai tellement partout ce matin, elle m'a même attaqué. J'ai dit, il y a une proie qui arrête pas de bouger. Elle m'a chopé la cheville. Ça va qu'elle a des petites dents. Hein. Ça va que c'est pas un loup. Hein. Quargos, comment ça va? Pas de quête principale, hein. Ça faut que j'attende une certaine journée. Ça faut des encombrés pour choper une quête principale. Elles s'enchaînent pas forcément les quêtes principales, hein. Des fois faut avancer soit en temps, soit. Enfin voilà, il y a des petites choses à faire. C'est vraiment trop beau ça. Elle est trop belle cette plante là. Il faudrait que j'en mette partout. Hein. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de petites bestioles. Aussi c'est trop beau. Oh mais les roses elles ont pas poussé, alors on va les refaire pousser là.
Ah, on est en journée chaude. Alors l'été, il y a certains jours qui sont très chauds. Je crois que c'est ça qui attire aussi les petites bestioles. C'est toujours un peu chiant pour choper. J'arrivais pas à le choper, du coup on est obligé de couper les plantes, tant pis. Ça va repousser. Ça va repousser. Mais bon. Ah oui, ça pousse comme ça, c'est joli, hein. Bon, c'est très vert, mais c'est joli. On pourra mettre un peu partout pour décorer par la suite. Ah, les pivoines sont prêtes. Dans l'autre plante. Moi ça va tranquillou, tranquillou. Fais attention pour ton dos quand même. C'est chiant ça. Ah merde, c'est mauvaise herbe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de mauvaise herbe. On va vérifier les quêtes. Bouquet pivoine, bouquet clématite, bouquet rose rouge. Par contre, les clématites. Ah, bah si, elles ont poussé là. Attends. Première clématite. Ces hippomées. Elles sont les clématites. Est-ce que je les ai mis? Ça me paraît bizarre là. Des roses. Bizarre, hein. Je comprends pas où je les ai mis. Leur choper de graines. Ah, les clématites, on va dire. J'étais persuadée que c'était là que je les avais plantées. Rose. On les avait déjà avant. C'est pas rose, c'est rouge. C'est des amaryllis. Ah, ou alors c'est ça qu'on a planté, mais ça pousse pas. Ça. Bizarre, bizarre. Pas ça, hein. Oh, c'est des élébores. La banane. Eh ben, il y a une invasion de mauvaises herbes. Oh, ah ouais, c'est énorme ces trucs là. En fait, c'est ça que t'arrives pas à trop avoir la place que ça va prendre. Il va falloir les bouger de place. Hein. Ça va pas le faire là. Ça va pas le faire du tout.
Ah merde, nouvelle espèce. Un seul violet. J'ai pas vu de violet, fait chier. On a un seul violet. Ouf, j'ai récupéré la graine. C'est chiant, c'est qu'il faudrait vraiment que j'agrandisse parce que là, j'ai plus de place. Voilà, les enfants. Il nous faut des roses rouges. Merde. Moi, je comprends pas pourquoi les roses rouges, elles poussent plus comparé à avant. Faut qu'on bouge les plantes là-bas. Oui, ma pelle. Alors, c'est énorme. C'est censé être bleu, mais ça fait un peu violet. Faut, je mets là, mais il faudrait que je le bouge parce que c'est rose. Ça, à la limite, ça peut le faire, mais cette pauvre petite plante, on va plutôt la mettre là. Et on va le mettre plus. Là. Voilà. Quand même que ça fasse joli, hein. C'est du boulot, hein. C'est du boulot. Il y a les bleus et noirs. C'est tellement joli. Chope la banane. Ça, c'est tranquille ce matin un peu, pas les enfants dans les pattes. Pas le mari dans les pattes. On le voit plus, j'ai le droit de le dire. Il veut pas me fouetter. Je vais me faire engueuler. Monsieur d'Arbre, ça va, c'est royal. Du coup, on peut dire ce qu'on veut. Profitez, Apple. Moi, il y a une plante que j'arrive pas à retrouver. Ah, c'était peut-être celle-là. C'est celle-là que j'ai retrouvée, elle est là. Elle a poussé, oui. Coucou Zayen, bah ça va bien et toi? En week-end? C'est super beau, mais je sais pas encore où le mettre. Oh, je pourrais en mettre entre les. J'ai une idée, entre les. J'en mets un là. En fait, faudrait que j'en mette entre chaque. J'en mets un là, je mets une ruche. J'en mets un là, je mets une ruche. Ça pourrait être super joli. Par contre, le lierre, j'y arrive pas du tout. Est-ce qu'il y en a qui ont le jeu et qui ont réussi à faire pousser le lierre sur. Parce que vraiment, je comprends pas. En fait, il pousse un peu. Peut-être qu'il faut que je la mette plus collée, hein, comme ça. Parce qu'en fait, ils disent que ça doit monter dessus, mais ça a jamais monté dessus. Et je l'ai planté au tout début du jeu et. Et comme j'arrive pas à avoir de graines d'autres couleurs de lierre, je me dis que c'est peut-être ça le problème. Peut-être que pour avoir des graines, il faut qu'ils poussent plus. Mais ouais, j'arrive pas. Il y a un truc que j'ai mal fait, quoi.
Il faudrait que je l'enlève aussi. Il a rien à faire là. Faut l'enlever. Le jeu est fantastique, Apple. Par contre, dès que tu commences à y jouer, tu vois pas le temps passer non plus. Ah bah le rosier a enfin poussé. En fait, il veut pas. Des fois, je comprends pas. Des fois, ils doivent bugger un peu. Parce qu'ils repoussent plus. Alors que c'est des trucs qui poussent très bien de base. Hein. Les rosiers, y a pas de soucis. Oh merde! Oh l'enfer! Courage Argos! Fais attention aux poissons aussi. Je crois que t'as pas des poissons à eau salée parce qu'ils sont. Ils stressent facilement donc. Il y en a des très fragiles. Par contre, ça va être chaud. Hein. Il va falloir que tu me donnes des graines, toi. On a une nouvelle quête, non? 7000. Odinolima. Oh, c'est chiant ça. C'est bizarre que j'ai pas de courrier. J'ai déjà 3 quêtes. On relancera le jeu s'il faut. Parce que j'ai déjà eu un bug sur les quêtes alors bon. Au cas où que j'en ai un autre. Ah, tu restes pas avec nous, Zayen. Bah une prochaine alors. N'hésite pas à laisser le petit ninja soutien si t'as envie de soutenir la chaîne. Oh, une nouvelle couleur. Jasmin rose. Ouais, tout ce qui est rose, on va les bouger de place. Peut-être le violet aussi. Ah, je sais pas. T'as une commande lurk si jamais. Comme tu connais pas. Il y a cette commande sur la chaîne. Bah ça fait plaisir de t'avoir revu. N'hésite pas à passer à l'occasion. Il y a le planning sur les réseaux sociaux si tu veux voir un peu les jeux qu'on fait. Il y a juste aujourd'hui un petit changement de planning, c'est qu'à la fin on ira sur Skull and Bones. On ira pas en art. Mais vous inquiétez pas, il y aura de l'art la semaine prochaine. D'ailleurs pensez à voter sur le Discord même si vous participez pas. Pensez à voter en channel art. On a besoin que les gens votent. Pensez à voter. J'aimerais bien pouvoir commencer la semaine prochaine mon défi donc. Putain, il a fait chaud là. Les plantes elles ont soif. Hein. Il faudrait que je la modifie la commande lurk. Mais je me disais que je vais peut-être mettre Yel. Ouais. Vas-y, où est Yel allé? Parce que c'est vrai que comme moi. Pour les filles, c'est un peu chiant. Comme ça au moins. Mais je sais pas si ça se dit, parce que. Pour la bite. Souvent ça fait pas très joli hein, avec le Yel. Mais là c'est plus. Comme ça, ça fait les deux. Comme il y a quasiment autant de femmes comme ici. Je sais pas trop.
foyer. Alors, est-ce que la petite plante a poussé? Ah bah voilà, elle a poussé. On va peut-être pouvoir faire des bouquets là bientôt. Quai de rose rouge, en tout cas ça c'est fait. Je vais pouvoir en une quête. Oh, youpi! Une quête. Pivoine et clématite. Pivoine et clématite. On va aller en ville déjà voir si je peux pas vendre. Je peux peut-être vendre des graines. Après, je sais pas si je peux vendre de l'engrais. Vous avez vu tout l'engrais que j'ai? Je vais en prendre un petit. Je vais en prendre un, voir combien ça vaut. Et après, on en vendra. Parce que par exemple, vous pouvez pas vendre les mauvaises herbes. Enfin, vous pouvez les vendre, mais ça vaut zéro. Donc ça sert à rien, autant faire de l'engrais. Ça j'en ai 23, ça j'en ai 20, ça j'en ai 27, 28, 28 et 24. Allez, on va aller vendre ça. Je vends que les graines où j'en ai beaucoup beaucoup, ça veut dire que je vais en refaire pas mal facilement si j'en ai besoin. Donc. Vous voyez, 345 déjà là. C'est pas mal hein. Est-ce que ça, ça vaut... Ah, ça vaut que 10. C'est pas énorme. Disons qu'on peut en vendre un peu de temps en temps, quoi, mais... ouais. Après, ça se fait facilement, c'est peut-être pour ça, parce que ça serait trop pété, sinon. Coucou, Virgolil. Coucou, Dalsem. Pas que ça soit trop pété, quoi. Et vous voyez, il y a les grosses chaleurs, là. Vous avez la météo, en fait, des jours qui arrivent. Là, c'est la liste de choses à faire, donc là, ça fait partie un peu de la quête principale. Donc nous, j'aimerais vraiment faire déblayer les décombres aujourd'hui. Ah, j'aimerais bien faire une grosse session aujourd'hui. Puis j'ai encore des défis hein, sur le jeu à faire. Donc ça serait pas mal. La semaine prochaine, il n'y en aura qu'une fois hein, du garden. Il n'y aura qu'une journée mignonnerie la semaine prochaine. Par rapport au jeu qu'on fait. Allez, on va aller vendre ça. Il y a des semaines où il y en a plus ou moins. Hein. Comme d'hab, hein. C'est l'habitude. D'ailleurs, j'ai fini les roses rouges, je peux les mettre. Les voix, on n'en a pas fini. Coquelicot, on a fini, Coquelicot, ouais. 3500 à faire. On va bientôt pouvoir enlever les décombres. Oh yeah. Mais il y a plein de choses à faire. Bon, si j'ai pas de courrier, par contre, le lendemain, je relance le jeu parce que ça va m'inquiéter. Il y a des trucs que j'ai vendus, j'ai déjà récupéré. Donc, c'est bon. Ça revient vite. Alors, on va mettre de l'engrais là-dessus. L'engrais pour que ça pousse plus vite. Un paquet. Alors quand le temps n'est pas fini, là, la journée n'est pas finie, vous voulez faire avancer le temps, et ben on va s'asseoir. Et là ça fait avancer le temps. C'est beau hein.
Alors tout, tout ce qui est à gauche là, qui est violet et tout, ça va dégager hein, de mon jardin. Tout ce qui est là. Enfin, ça va aller là-bas. Voilà, nouvelle zone, mais... En attendant, je le mets là. J'en ai besoin pour les quêtes, quoi. Et puis pour remplir le truc. Mais il y a vraiment des fleurs magnifiques. Il y en a, j'aime pas du tout. Après, je suis pas très rose et violet, mais il va falloir quand même faire un coin. Un coin, on va dire, fleurs que j'aime moins. C'est vraiment des couleurs que j'aime pas trop, en fait. Encore avec le coquelicot, le violet, ça passe parce qu'il y a un peu mélangé, mais. On est quand même trop mignon. Il est quand même trop. Ah, il y a une plante qui a besoin de... Oh, j'avais pas vu. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Et un bouquet de plus. Il faut combien de bouquets de pivoine? Ça va être long. C'est des secondaires donc c'est pas très grave. 43 jours de jardinage. Ah voilà, là j'en ai. Les gens ne cessent de se demander des informations sur les fleurs du magasin. Ok. Alors je vous lis pas tout le temps les cartes parce que souvent elles reviennent en fait. Quand il y a un nouveau perso, je lis un peu ce... mais... Hippomée violette, iris violet, osta couleur lilas. Alors ça, ça va être chaud. Hippomée... je crois que c'est celle-là. Hippomée violet, voilà. C'est quoi? Jasmin rose, donc non. Ensuite, il me faut des pivoines, toujours. Il y a du boulot dans le jardin, et puis plus on a de fleurs et plus il y a du boulot. Oh là, les rosiers là, ils ont pris cher. C'est la carnicoule. Graines. Et moi ces plantes qui meurent là. Ça a à peine poussé que c'est déjà en train de crever. C'est la carnicoule. Comment ça va la gueule mon petit jardin? Ça a peut-être fait différemment.
Il y a juste pas les petits endroits à enlever là pour mettre ailleurs, mais. Voilà, on prend ça. Alors. Il me faut revoir la quête. Ivoine rouge, ok, clématite. Iris violet. Osta couleur lila. Iris violet. Ok. Ça. Osta, c'est pas ça. Osta lila. C'est Osta quelle couleur qu'il me faut? C'est bien les Osta ça. Ouais, c'est ça. Osta lila. Eh, je suis pas fleuriste, j'y connais rien en fleurs, mais je commence à retenir les. C'est beau, hein. Je commence à retenir un peu la forme des fleurs. Le jeu porte ses fruits, j'apprends les plantes. Parce que c'est aussi pour ça que je joue au jeu, parce que j'ai envie d'apprendre des choses. Et t'apprends quand même des choses. Quand tu connais rien, t'apprends des trucs. Quand tu t'y connais, bah. C'est déjà tout, mais c'est juste le jardin. Moi, j'apprends en même temps. Kouba, Cafrite, coucou Citron, coucou les arrivants. Installez-vous. Chocobo. Alors, il y a ça qu'il nous faut, il y a ça. Ça a poussé. Elle est où l'autre? Ah, il y en a une là. Toujours pas de bouquet. Si c'est des hostales là, on va les prendre quand même. Et ça a l'air. Iris violet peut-être. Ouais. Je sais pas pourquoi du coup j'ai mis un là-bas. En vrai celui-là là-bas je pourrais l'enlever. Si je les ai mis là-bas. J'expliquais la fleur pour la quête, mais en vrai, on va les enlever parce que le problème. C'est qu'après, je sais plus tout où je vais tout retirer. Bon, voilà. Oh, mais quand elles veulent les pivoines, elles poussent vite, hein, ça dépend. Ou alors, c'est quand il fait très chaud. Je pense qu'en fonction de la météo, il y a des plantes qui poussent plus vite que d'autres, j'ai l'impression. C'est peut-être pas le cas, hein. C'est peut-être juste une impression. Iris, je sais pas s'il me faut des bouquets, ou si c'est juste des boutures. C'est des boutures, Ah non, il y avait des bouquets, putain. Ils veulent tous des bouquets maintenant. Au début, ils vous demandent quasiment que des boutures, mais plus le temps passe, et puis ils vous demandent des bouquets. Sauf que dans, le problème, c'est que dans l'inventaire, ça prend deux fois plus de place, vous voyez. Alors, je voudrais aller voir si on n'a pas assez d'argent pour acheter le truc, vous voyez. Avec tout ce qu'on a vendu la veille, on va aller voir. Coucou Stéphane, coucou Valentin. On a assez, je crois, on a 8000. Normalement, on va pouvoir enlever l'encombrement, les trucs à gauche. Ouais, les décombres. Ta-da-da-da. Ça va être cool. Peut-être ça va débloquer une quête principale aussi. Parce que la quête principale, elle est vraiment cool. Hein. Elle est vraiment sympathique. Wow, c'est ça un tournesol violet. Oh la vache, la couleur. De fou. Mais
4 artisans. Fabriquer 100 objets. Ah, les bouquets, ça compte dans les objets. Ok. Il manque qu'un seul bouquet de pivoine. J'ai plus besoin de quoi? D'osta. Oh, les osta, c'est bon, j'ai plus besoin. Je vais aller voir des petites fleurs. Pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça de prix. Oui, j'avais deux couleurs maintenant. Oh, tout a pris chaud. Ah, les iris ont poussé. Un a poussé. Les clématites. Et les zip momés pas trop. Je dégage un peu là, sur toute la place. Est-ce que la journée est finie? Oh, bientôt. C'est joli ça aussi. C'est pas mal du tout. Ça pousse bien. C'est de toute beauté. Demain, on va devoir bouger toutes les fleurs là-bas. J'ai hâte de voir. Allez, 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 on va voir, on va voir, on va voir. J'ai hâte, j'ai hâte. On a, ça fait une heure ce matin, plus au moins une heure ou deux la dernière fois qu'on a farmé pour pouvoir avoir les décombres enlevés. Maestro du nettoyage, eh ben ouais. Est-ce qu'il y a un nouveau truc? Oh, la serre. 500? Vas-y, on peut déjà acheter la serre. Oh là 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 là. Regardez-moi toute cette place. Ah voilà, la quête principale. Donc ça, c'est le fantôme de Robin. Il n'y a que nous qui le voyons. Enfin, elle se montre que à nous. Mais c'était à elle, ce jardin communautaire avant, et... sa sœur et ses amis, on nous ont demandé de reprendre. That was always what I was most excited about. Do you realize how great having a greenhouse will be? The first thing I did was get Marcus, Jasmine, Frank and Laurie to help me push all this rubble to one side, just to get the garden started. I'm so glad they remembered. You've got so much more space now. And the greenhouse is so close, I can almost taste it. Ouais. Now we just have to unlock the door. Oh bien. Alors, tout ce qui est là, ça va bouger. On va nettoyer. On va prendre les tas de mauvaises herbes. Je vais sûrement laisser les cailloux. D'ailleurs, des cailloux, il faudrait que j'en remette un peu partout. À part peut-être ceux qui sont là, j'aime pas trop ici. Et celui-là. Là, il y a un petit coin. En fait, du coup, le problème, c'est que mon... mon banc, il est au milieu, là. Ça va pas. On a du boulot. On a du boulot. On va faire d'abord un peu les... On va faire le tour comme d'habitude d'abord pour commencer et... après on va bouger les trucs. Après je pourrais mettre des coquelicots jusque là-bas. Je sais pas. Comme ça faisait une fermeture, on avait fait en fonction aussi donc... Parce qu'on a débloqué d'empêche, vous avez vu. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ceux qui suivent.
On va pouvoir faire un truc de fou. Ah ça y est, il monte. J'ai réussi. Il monte. Je crois que j'ai réussi. J'ai réussi à le faire monter. En fait, il était mal placé, mais alors... En fait, le tuto, il aurait dû te montrer où placer. Ça va être trop bien le petit chocobo. On va ranger les pierres. Et on a plein de pierres en stock. On a même une grenouille encore. Ça va être un peu compliqué, mais on va gérer. C'est vrai que j'aurais bien voulu rendre les quêtes pour être tranquille. Et une nouvelle graine. Une hosta sauvage qui est un peu rose. Alors elle, ça va être la première qu'on va planter là-bas. Alors je sais pas, on va mettre le rose. On pourrait faire un coin rose par ici. Rose violet en fait. Faire rose violet. Alors les iris, faut que je les... avant. J'appelle le Joker. Comment ça va, Joker? Un niveau de plus. Ça grimpouille. Voilà. Après, ce que je pourrais faire... Oh, j'ai une idée. Parce que c'est vrai qu'on aimait bien qu'il y ait un... Là, ça fait trop vert et ça va casser. Et on pourrait faire toute une ligne de ça là, vous voyez les trucs comme ça là. Mettre des trucs qui ferment et faire juste un passage au milieu. Parce que là le problème qu'on a, c'est que du coup ça va faire bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ? À partir d'ici tout du long et ça fermerait, on pourrait peut-être laisser le banc, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est
mettre les trucs derrière le banc. Comme là du coup je peux. Celui-là, un violet. On va le mettre là. Et ça pourrait être sympa. Et ça, le truc c'est que c'est une grenouille, donc la grenouille faudra la laisser. Par là, on va mettre. Oui, à la base elle est cette couleur-là. Qui est très jolie aussi. Moi, je voulais ici, je voudrais mettre les tout ce qui est grenouille. Canard peut-être. Ça fait du boulot là. Le problème c'est que comme on a débloqué une zone, là il y a un autre rosier à dégager. Et ici au milieu, ben je sais pas encore trop ce qu'on pourra faire, mais il y aura un truc à faire. Ça va être sympa, non? On a du boulot. On a du boulot. D'avoir débloqué... une zone. Trop contente. Je suis trop contente. Alors. On va trouver des roses. Est-ce qu'on a des roses? Il n'y a que ça en rose orange. Après on pourrait... Et quelle couleur en... C'est dommage qu'on peut pas trier. Est-ce qu'on peut trier? Il n'y a pas de trier. C'est dommage qu'il n'y a pas trier par type de fleur, vous voyez, parce que pour s'y retrouver. On a des roses rouges. Rose, noir, rose sauvage, rose Claude. Peut-être déjà celle-là, les roses Claude. Je pense que c'est déjà celle-là. On verra. Vous avez des idées, hein. Vous n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'il y a des trucs qui iraient mieux ensemble. Et ça, on y verra plus clair quand j'aurai mis tout un parpaing. Il faut aller voir au magasin, là c'est fermé déjà parce qu'il fait nuit. Je peux pas l'arroser. C'est bon, ça c'est bon. C'est quoi? Ah, c'est les roses Claude. Bah celle-là, on va la ranger. Pour mettre un peu mieux les... Voilà. Je voudrais les mettre un peu mieux. En même temps, on remet un peu tout, hein.
C'est parfait. C'est parfait. C'est vrai que quand vous les plantez la première fois, vous savez pas trop comment ça va être. Donc au moins, là... Bah, comme d'hab, les gens participent pas, hélas. J'ai beau tout essayer, y'a rien qui marche. C'est bon. J'ai pas eu d'autres graines de ça. Non, on a des graines de lierre. Va falloir... ouais. Va falloir choper du lierre. En masse. J'ai des graines. Oh, ça va, j'en ai. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Bon, ça c'est pour les quêtes où j'ai les laisse pour le moment, mais ça va bouger aussi par la suite. Je voudrais finir les quêtes. Est-ce qu'on a en quête? Pivoine rouge, hématite. D'ailleurs, les pivoines rouges, j'ai pas fini là. Non. Pff, c'est tous les jours comme ça, Ilios et Los. Les gens, ils veulent plus faire partie d'une communauté. Oh, nouvelle quête. Clearing away all that rubble. The garden looks much, much bigger now. It's a bit cheeky, I know, but I was wondering if that meant you might be able to help me. You see, my wife and I are helping to organize this year's village fete, and we thought some bouquets and handmade decorations to decorate the hall might make for a nice touch. Here's a list. Now, I mean no pressure. You take your time. There's plenty of it. But your help would be greatly appreciated. If you're lucky, I might be able to see about getting that greenhouse open. I know a locksmith who owes me a favor or two. Okay. Une quête pour un serre, ça a coûté 500, mais en plus il y a une quête. Ah, on peut changer la couleur de la serre. Elles sont en cuivre. Alors, j'avoue que j'aime bien en blanc, mais le truc c'est que pour que ça se fonde mieux au paysage, on va changer la couleur. Oh là là, tout ce qu'il veut. On va finir d'abord. S'il veut des grandes guirlandes aussi? Ah, il veut des trucs de fou. Il veut des trucs de fou. Ouais, va falloir qu'on finisse les autres commandes rapidement. Ça, il y a les mêmes des trucs, je sais même pas ce que c'est. Alors, grande guirlande, c'est ça. J'en ai fait pour mon jardin, donc je sais. On a une nouvelle graine là. Une nouvelle couleur de graine. Qu'est-ce que c'est? Des cyclamènes rose foncé. Eh ben. On peut aller ici. Ah, pas mal. Merde. J'ai ripé, chef. Voilà, commande, elle est violente. Elle est violente. Tout le sem, comment ça va? Ouais, ça jardine dur. Je suis trop contente parce qu'on a désencombré. Regarde toute la place qu'on a gagnée. Mais là, je voudrais mettre des barrières et faire un petit passage au milieu parce que j'aime pas les trop grands espaces. J'aime bien faire des petits coins. Donc, je pense mettre plein de barrières avec du lierre dessus. Et une petite entrée. En plus, ça fait plusieurs styles. Parce que je fais pas les mêmes couleurs en fonction des zones.
plus, si elle est en rue, j'ai tout que je veux faire. Ah. Hop. Ça, je voudrais un autre ici. On peut tellement faire de choses. Et encore, ça, c'est le mode histoire, mais il y a le mode bac à sable aussi, hein, pour ceux qui veulent. Hein. Bon, j'avoue que moi, je suis plus histoire. Et le mode bac à sable, je le ferai sûrement pour le platine. Si on arrive à platine le jeu. C'est la place qui te reste, je crois, non? Pour moi, c'est la place qui te reste dans le jardin. T'as celle aussi pour les objets. C'est la place... je crois que t'as un max. Et pas. Pour moi, c'est ça. Parce que comme elle est toujours à peu près similaire. Des attention, moi j'ai pensé direct. En fait, j'ai surtout vu parce que, comme je retirais les rochers, si tu veux, au début, les rochers c'est considéré comme décoration. Et quand tu les retires, ils baissent ta barre violette. T'as été blindé à un moment, tu pouvais plus planter. J'avoue que j'étais pas loin, mais ça allait encore. Bah, c'est que je crois que j'ai déjà vu sur d'autres jeux, c'est surtout ça. Coucou Elinora, coucou mamie. Il me semble d'avoir déjà vu ce système sur d'autres jeux, donc forcément... Mais ouais, c'est vrai que ça peut... tu peux te poser la question. On va aller acheter... je sais pas si j'ai vendu des trucs. Je sais pas si je vais pouvoir en acheter, je suis pas très riche. Ouais, non. Ça vaut combien? Déjà, on va regarder ce qu'il faut. Oh, come on in, don't be shy. Il y en a, c'est ça, c'est séparation. Ça vaut quand même 400. C'est joli chez le papillon. Il va falloir plein de séparation. Après, il y a les séparations spéciales été aussi qui sont jolies, mais... Elles sont la clé T, quoi. Et petite séparation. Moi, j'ai plutôt des hôtes. C'est vrai qu'elles sont les moins jolies, celles-là. Mais, hein. De toute façon, il va falloir beaucoup de sous. Mais en décoration, j'ai pas grand chose, t'as vu. Après, c'est vrai que c'est plus le genre de truc que j'ajoute un peu à la fin. Il veut pas m'arroser celle-là. Ah, c'est bon. J'arrivais pas la veille. Oh là là, oh, ça a bien fait des feuilles. Hein. Oh, c'est les abeilles. C'était les petites bestioles, mais non. Ici, c'est couleur... Ah non, il y a celui-là à bouger. Il y a celui-là qu'il faut que j'amène en rose, mais ici, c'est noir, blanc et bleu. Je voudrais faire les tons orangés avec exception pour les coquelicots. Et là-bas, rose violet avec un peu de blanc et sûrement rouge et blanc. Je sais pas encore trop. C'est pas simple. C'est des bouquets qu'il faut pour la quête, je crois que oui. Après les iris, bah il faut qu'il y ait pousse. Je les ai changés de place. Ah, j'ai vraiment fini une quête. Est-ce que je peux fabriquer des barrières? Je sais pas regarder. Prendre guirlande.
neige, bah, je pense que c'est en hiver. Et il y a des murs en plâtre que je peux faire aussi, mais... Porte en plâtre. Étang de base, étang à grenouille avec un étang de base. Étiquette pour plantes. C'est vrai que c'est pas mal les étiquettes pour plantes aussi, mais... Échelle de fleurs, c'est joli aussi. Et comment tes bâtons de bois? Faut les acheter, ou peut-être que je les ai pas encore débloqués. Grand bâton canette soda. Ah, ça sert à ça la canette que j'ai acheté. Regardez. J'ai acheté une canette dans la machine. C'est à côté de l'arrêt de bus, vous avez une machine. J'ai acheté en me demandant. Hein. Petit ballon. En ballon. Vas-y, je vais voir ce que ça fait. Mais regardez, j'ai un ballon posé. Ça sert à quoi? C'est un mangeoir au moins. On dirait un mangeoir pour les osios. En plus, ça fait le bruit de la canette quand tu le poses, quand tu l'ouvres là. C'est trop. Bon, les pivoines, on peut vous dégager du coup. Oui, j'aime pas les pivoines, mais il me faut quand même les graines. On va les mettre. Je peux pas mettre dans le coin là-bas. C'est dommage. Faudrait que je mette un truc pour fermer alors. Ouais, je mettais un truc pour fermer là et Et un lierre comme là-bas. Mais celui-là, c'est peut-être le classique. Ils sont sympas hein, les versions été, mais le problème c'est que si par exemple là le lendemain c'est plus l'été, bah je peux plus les acheter avant l'année d'après quoi. Donc on va éviter d'acheter cela. Ah oui, c'était ça que je voulais prendre. Bon, ce qui est chiant, c'est que s'il va y avoir une zone du jardin que je vais pas trop kiffer. Parce que comme j'aime pas trop le rose et le violet, mais... Pas grave. Au moins, pour les chocobos qui aiment le rose et le violet, je passerai voir pour vous faire plaisir. On va quand même arroser parce que... Il faut que ça pousse. Par contre, j'adore celle-là, mais je vais les placer un peu autrement. Elles sont trop belles, ces fleurs. Voilà. Donc ça, ça a bougé, ça, ça a bougé. Ensuite, au niveau des quêtes, on est comment? Hématite, iris violet, putain. Ah, mais il veut des échelles de fleurs en plus aussi! Coucou Yann, comment ça va? C'est quoi déjà pour les échelles de fleurs? Je sais pas comment on a les bâtons. Faudrait que j'aille voir si on peut les acheter. Bouture de jonquilles, j'en ai, il me faut des jonquilles. Ça va me coûter cher sa quête. Coucou Wolfie Boy, trop dormi. Bon, c'est rare. Hein. Donc, c'est cool. C'est des jeunes pâles, je crois. Ouais, des jeunes pâles. Là. Merci. Voilà, là ça manque un peu de... En fait le rouge est peut-être en... Ouais, c'est du rouge. J'ai pas encore.
avoir. Ah non, mais ouais, il demande beaucoup. Mais bon, c'est pour ouvrir la serre. Hein. C'est la quête pour ouvrir la serre. Ça va être sympa. Regardez les pots. Il y a des pots. À la limite, tu vois, ça se trouve, je pourrais balancer tous les violets là-dedans. Comme ça, ils seront cachés. Et je pourrais encore changer. Et on pourrait faire un arc-en-ciel. Me tentez pas, je suis capable. C'est quoi déjà les grandes guirlandes pour les faire? Ah non, c'est ça, grande guirlande. Papier d'emballage. C'est qui veut grande guirlande? Des tas de feuilles. Il en reste. Oh, tout a été transformé. Encore. J'en ai pas là des emballages, j'en ai. Ça, tu faisais un arc-en-ciel. Bravo, Wolf. Après, ça va encore être de ma faute. Couteau de clôture. Il y a trop de choses. Il demande trop de trucs. Franchement, je prends plus de commandes. Une fois que j'ai fini ça, je prends plus de commandes. Hein. Fighters, comment ça va? Peut-être faire la pause, tiens, il est déjà 8h. On a vu le temps passer. Ce jeu aussi, c'est un bouffe-temps. Tu vois pas le temps passer. Du coup, croque-mou. J'adore croque-mou. Bah tranquille. J'ai retapé le pont. Enfin, on a changé sa couleur. On a désencombré. On va pour débloquer la serre. J'ai acheté toutes les espèces de fleurs. Ça en sort pas mal. On a acheté tous les trucs de l'été. Enfin, quasiment tous. Ce qui m'intéressait de l'été. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est quoi qu'on a fini? Il nous reste quoi à faire en bouquet? Ah, mais lui aussi veut des iris violets. Le pire, c'est que je dois faire un iris violet alors que lui aussi il en veut. Et elle va faire un arc-en-ciel. Pas tout de suite. Ce sera pas aujourd'hui si j'en fais un. On aurait déjà débloqué la serre. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot, boulot. Petite pause boisson, petit chocobo. J'ai un peu de mal les Pokémon en ce moment. D'avoir un truc qui bouffe pas mal de ressources. N'oubliez pas de voter, même ceux qui participent pas au défi art du mois de mars sur Discord. On a besoin de vote. On a besoin de vote. J'ai épinglé dans le channel art. Essayez d'en choisir 3 max par contre, comme ça, ça évite... Si vous votez pour les 4, ça départage rien. Ça change rien du coup.
Du coup, bah, j'arrive tout de suite. Petite pause boisson. Petite pause boisson. J'arrive tout de suite. Je vous mets une petite bataille.